السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال كما العاده، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكزامبل ديال ليفالياسيون نيميرو 2 سيمستر 1 ديال 5ايام اني بريمير سيم 2. داكوغ، دونك غادي نشوفوا غرامير، كونجوكيزون، اورتوغراف او فوكابولير، ونديروا لا كوراكسيون في نفس الوقت ان شاء الله. تبعوا معايا ومرحبا بكم. Alors, commençons par premier exercice. Soulignez le verbe conjugué dans chaque phrase. Bien sûr, fais qu'on colle un verbe, ça colle une action. D'accord? Alors, première phrase. La maîtresse explique la leçon normalement. Alors, la maîtresse fait quoi? Je vais te dire. Explique. C'est-à-dire l'accent qui dit la maîtresse. Donc, le verbe c'est expliquer. Donc, je souligne. Explique. On passe deuxième phrase. Elle aime son métier. Le verbe c'est aimer. Aime. La troisième phrase. Mon père rentre tard tous les jours. Alors, mon père fait quoi? Rentre tard. Alors, le verbe c'est rentrer. Voilà. La quatrième phrase. Les élèves écoutent le maître. Alors, les élèves écoutent le maître. Le verbe, c'est écouter. D'accord? Et puis, la dernière phrase. J'utilise du beurre pour faire ce gâteau. Le verbe, c'est utiliser. Utilise. Voilà. On passe au deuxième exercice. Réécris les phrases suivantes en remplaçant le groupe nominal sujet par le pronom personnel qui convient. Première phrase. Le médecin examine le malade. Alors, on dit le médecin, on va se remplacer par un pronom personnel. Donc, le médecin, c'est singulier, masculin. D'accord? Donc, pêche à remplacer, bien sûr, il. D'accord? Donc, à certainement, il examine le malade. Deuxième phrase, les enseignantes éduquent les jeunes. Donc, les enseignantes ici, voilà, c'est féminin pluriel. D'accord? Donc, on va remplacer « one » « elle » avec « s ». Donc, on va dire cette année, « elle éduque les jeunes ». D'accord? On passe. Ou d'abord la conjugaison, premier exercice. Réécris les phrases suivantes au temps demandé. Alors, on dit la première phrase, « Omar ramasse les cahiers ». Le verbe « ramasser » à l'imparfait, à la troisième personne du singulier. Bien sûr, Bachar Salah, Bachar Nayendi, Omar. Donc, on peut remplacer Omar par il. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, Omar ramassait avec A-I-T les cahiers. N'ayez vous faites attention, parce qu'on se d'arrivé la conjugaison. Alors, la deuxième phrase, les élèves tournaient les pages du livre. Donc, il y a finalement le verbe, voilà, il dit le verbe tourner. Fois de la phrase, le verbe tourner est conjugué à l'imparfait, à la troisième personne du pluriel. Alors, il y a dit les élèves, avec quel pronom personnel on peut remplacer les élèves? Voilà, il avec s. Donc, d'abord, il y a le futur. Et voilà, les élèves tourneront les pages du livre. D'accord? On passe au deuxième exercice. Écris le pronom personnel qui convient. Bien sûr, je connais un pronom personnel. Le verbe. La terminaison dit le verbe. D'accord? Yav. La première phrase remplit les verbes. Donc, le verbe inayawa remplir. Et les conjugués au présent. On a oublié les verbes du deuxième groupe, c'est « is » mais « je » ou « is » mais « tu ». D'accord? Donc, il y a un dire « ou « je » ou « tu ». Bien sûr, vous avez le choix. Dire « lubrifiant »,« je » ou « tu ». D'accord? Après, on dit « rempli » avec « is ». Deuxième phrase, « aller » avec « a-i-e-n-t » au cinéma. Alors, on a dit le verbe « aller » à l'imparfait, à la troisième personne, du pluriel. Bach Afsalah, quand j'ai dit A-I-E-N-T. D'accord? Et bien sûr, vous avez le choix. Bach dire il avec S ou la elle avec S. D'accord? Puis la troisième phrase. Finiront les devoirs. Alors, on a dit le verbe finir au futur
à la première personne du pluriel. L'arkash indi R-O-N-S. D'accord? Donc, nous. Et enfin, prenez le train tous les dimanches. Le verbe prendre à l'imparfait à la troisième personne du singulier. L'arkash indi A-I-T. D'accord? Alors, on a la taroure et on a une hafte à la conjugaison pour que nous puissions faire l'exercice. Et voilà, on passe. Ou d'abord l'orthographe, premier exercice, complète avec mais, le MES ou mais, MAIS. D'abord, ce sont des homonymes. Ça veut dire quoi homonyme? Ça veut dire qu'ils se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas de la même manière. بمعنى كيتنطقوا بنفس الطريقه ولكن ما تيتكتبوش بنفس الطريقه داكور الوغ لو مي او اس هي ادجكتيف بوسيسيف يعني شي حاجه اللي ديالي مي الوغ لو مي ا اي اس اي كونجونكسيون دو كورديناسيون داكور نبداو نخدموا باش يوضح لكم اكثر جي اوبليي بابيي ديدنتيتي الوغ لي بابيي ديدنتيتي شي حاجه ديالي ديالي ما غاديش ندير بيان سور هاد لو مي هادي بيان سور غادي ندير هادي جي اوبليي مي بابيي ديدنتيتي دوزيام فراز سيت فام ا دي زونفون بولي تيميد واش تيميد شي حاجه ديالي نو الوغ غندير مي لو مي ام ا اي اس داكور اون باس كومبليت افيك سي او سي الوغ سي سي او اس un adjectif démonstratif qui sert à désigner quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, tu as vu ces gens? D'accord? Ou le C, le S, ES, un adjectif possessif qui marque l'appartenance. Par exemple, il aime ses chiens, mouhim tsalandra le chihara, dir chi hed. D'accord? Mehdi est heureux de rencontrer ses amis avec S ou la C. Bien sûr, Hedi. Ses amis. Ou, à obtenir la deuxième phrase, Henaya amna animaux. On va désigner quelque chose. Animaux. Pancradin semlo, Hedi. D'accord? Ces animaux sont dangereux. Deuxième exercice, complète chaque phrase avec leur ou leur avec S. Alors, les fermiers vendent wesh, leur vache ou la leur avec S. Donc, regardons une vache avec S, c'est le pluriel. Donc, on va utiliser le leur avec S. D'accord? Deuxième phrase. Demain, pour leur première journée, ils iront à la forêt. Donc, on dit une première journée. C'est le singulier. Donc, on va utiliser had leur hadi. Et enfin, la dernière phrase, ils prennent soin de leur cahier. Cahier, c'est le pluriel. Donc, on va utiliser le leur avec S. D'accord? On passe. Réécris les groupes nominaux au pluriel. Cette chaise, d'abord, je vois le pluriel d'IL7, ou c'est. Ces chaises, qu'est-ce qu'on va ajouter à la fin? Un S, bien sûr, la marque du pluriel. On dit ma robe. Le pluriel de moi, bien sûr, ou mais. Et on va ajouter un S à la fin de l'Europe. Sans cahier, c'est cahier. S-E-S. Ou cahier, bien sûr, vous allez ajouter un S à la fin. D'accord? C'est clair? On passe. Ou d'abord le vocabulaire, premier exercice. Ajoute un suffixe à chaque mot pour former un mot de la même famille. Alors, les suffixes sont médicaments zido, m'l'khar. Ou les préfixes sont les 15 dons, flouent. D'accord? Alors, on dit gaspiller. Gaspiller, il qui d'ailleurs. Donc, gaspiller, qu'est-ce qu'on peut dire? Gaspillage. On va ajouter âge. D'accord? Jardin, on peut dire jardinier, jardinage. D'accord? Jeune, jeunesse. Écrire, écriture. Voilà, on m'occupe sur les cons. Donc, gaspillage, jardinier, jeunesse, écriture. On passe au deuxième exercice. Remplace les mots soulignés par un synonyme. Synonyme, ça veut dire un mot qui a presque le même sens. Donc, la première phrase, j'ai vu un animal étrange. Alors, étrange, évidemment, غريب, شكل,
bizarre, on peut dire j'ai vu un animal bizarre, on peut dire aussi j'ai vu un animal extraordinaire, d'accord? Puis la deuxième phrase, l'ami de ma sœur est drôle. Alors l'ami, on peut dire la copine de ma sœur est drôle, d'accord? Puis dernier exercice, ajoute un préfixe au mot suivant pour former le contraire. Le contraire, ça veut dire deux mots qui ont le sens opposé. D'accord? Donc, heureux. D'abord, les préfixes. Heureux, malheureux. Plié, déplié. Logique, illogique. Et enfin, connu, inconnu. Un acte communicant en agent. Et voilà, Romain. Malheureux, déplié, illogique, inconnu. وهكا غنكون ساليت ليكزامبل ديالي كنتمنى نكون كفتكم كيف ما العاده ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. او revoir.